Chaque fois que je mettais ce disque, Roselyne et toi, vous vous arrêtiez de pleurer. Mais enfin, 5 minutes, c'est pas une question de voir l'heure, ça fait plus d'un quart d'heure. Je sais, mais... Et ce soir, tu dînes ici. Il y a quelque chose de spécial? Mais est-ce qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose de spécial? Ah non, mais... Ton oncle vient dîner, ça serait bien que tu sois là. Mais moi, j'avais prévu de voir des potes. Je les verrai après, du coup. N'oublie pas que tu fais l'ouverture demain. Allez, file. Mais pourquoi tu nous aides, alors? Mais regarde-toi. Regarde ton père. Combien de temps crois-tu que ça puisse encore durer? Et je regrette rien, je suis bien comme ça. J'ai juste envie que ça continue. Et t'as pensé à ton avenir? Cette vie, c'est pas une vie pour toi. J'ai pas raison. Mais balance-moi. Too much got taught for me. So if you find that comforting, go and talk to him yourself. It pisses me off. And they care about us? Hardly. Abby wasn't exactly the easiest person in the world. We are the new gossip. And I don't need them to care about me. Ne vous approchez pas, je vais sauter! Ah non, non, ne faites pas ça! À quoi bon ce réveillon? À quoi bon ce poulet? Mais le poulet n'y est pour rien! Au moins, lui ne m'abandonne pas! Je faisais juste sortir le plombier pour qu'on dîne tranquille. C'est vrai? Mettez-le à table. Use a variety of colors to mark students' papers, and it takes ages to change pens every time you want to change colors. This is really a great time saver. Let people care about you. Well, that has clearly been your game plan, Jonas. All my life, I've been the fucking disappointment and you the messiah! Ça te laisse froid, toi? Tu bosses ici depuis 10 ans. Ça te fait rien de voir la moitié de tes élèves renvoyés dans leur pays? Bon, Léa, on se calme, d'accord? Je vais pas te servir de punching ball tous les jours. Dis-toi que c'est déjà pas si mal de les aider. Tu fais bien ton job, non? Alors? Maintenant, si vraiment tu ne supportes plus cette terrible injustice à laquelle tu participes, eh ben en effet, change de poste. Je suis sûre qu'un autre prof sera ravi d'arrondir ses fins de mois. J'ai ouï dire que Sophie s'occupait de tout. Figurez-vous qu'avec mon cellulaire, je peux contrôler ma maison. Grand Dieu! Mais il faut absolument que j'en parle à Jean-Eudes, mon époux, ainsi qu'à mes enfants, Clotaire, Philippe-Auguste, Bérangère, Pierre-Yves, Sixtine et Jean-Édouard. Ils vont adorer le concept. Ah, ce fidèle répondeur! Je commence à m'inquiéter. Vous avez une petite heure et demie de retard. C'est dommage, les plats risquent de refroidir. Il y a même un crumble à la poire qui vous attend. Si vous ne venez pas, c'est sûr, vous allez rater quelque chose. Tout va bien, madame? Mes invités, ils sont en retard. D'habitude. Tu sais très bien dans quelle situation on est. C'est pas le Club Med ici. Je pourrais vous filer des coups de main à la boutique. On n'embauche qu'à partir du bac. Alors tâche de l'avoir cette année. Et puis t'es trop jeune pour ce milieu. Trop jeune? Et loin d'être responsable. Oh! Ça prolote que je suis étourdie. Je m'aperçois que j'ai omis de mentionner ma petite dernière, Frénégonde. Je suis sûr qu'ils vont arriver. Ils ont juste un peu de retard. Je le connais, ce retard. Ils viendront pas. 3 ans que je dîne sans personne depuis que Jacques est parti. Jacques? Mon mari. C'était un soir de réveillon. J'avais trop poivré le poulet. Il a éternué si violemment qu'il s'est planté la fourchette dans le front. C'est pas de ma faute! J'ai toujours eu du mal à doser le sel et le poivre. Faut pas vous en vouloir. C'est très bon le sel et le poivre. Moi j'en mets tout le temps dans mes plats. Restez dîner. Quoi? Dîner avec moi, je vous en prie. Si je reste seule,
Je sens que je vais faire une bêtise. J'ai vraiment besoin de compagnie. Surtout ce soir. Dites oui. J'ai encore un peu de travail. Dites oui ou je me trouve la tempe. Oui. Comment disiez-vous que s'appelle cette application? Tao? Taoma? C'est exotique. Vous n'avez pas honte de revenir gâcher notre réveillon? Un an que je n'ai pas vu mes fils, messieurs. Oh, c'est trop fort. C'est moi qui devrais porter plainte. Et pourquoi ça? Tout à l'heure, au moment de régler ce monsieur, qui a laissé ma salle de bain dans un état innommable, je me suis aperçue qu'il me manquait des bijoux. Eh ben, t'en auras mis du temps. Alors, c'est fini, ton complexe de Tanguy? Oh, mais qu'est-ce que... Si tu savais avec ton père, on savait plus quoi inventer pour te faire grandir. Mais écoute, moi j'ai vu son expo il y a 2 ans à Tokyo. Hein? Et c'était comment? Oh, c'était sublime. Ah, mais talentueux, tu peux pas imaginer. Ah, ouais. Oh, regarde.